Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi aujourd'hui dans une balade très agréable pour découvrir la ville de Lecce dans la région des Pouilles au sud de l'Italie. Lecce est une ville très charmante, vous allez voir. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré me balader dans ces rues. Voilà, allez, c'est parti! Ici, il a commencé à pleuvoir, donc on cherchait un endroit pour s'abriter. Et donc, on a décidé d'aller faire un petit tour dans l'église principale de la ville, donc San Matteo. On a été tout de suite impressionné par le style baroque de l'église, très caractéristique de la région. Le poisson ici doit être un symbole de quelque chose très caractéristique du sang qui est représenté ici. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça symbolise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le savez. Pareil pour l'aigle qu'on voit ici également à la droite du personnage représenté. Notre petite balade dans l'église San Matteo est terminée et là on part pour découvrir le reste de la ville. C'est vraiment caractéristique dans toute la région des écrits comme ça sur les murs et sur les garages. Je trouve ça beau, un peu poétique, malgré que je comprends pas du tout ce qui est écrit. Si vous parlez italien, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qui est écrit. Là encore, c'est notre église. Celle-là, c'est celle de Di Santa Chiara. Bonjour. Sorry. Ticket. You need a ticket. Ah, where to buy it? Get off this door, square. On n'a pas pu entrer finalement parce qu'il fallait des tickets et on n'avait pas beaucoup de temps pour visiter la ville, on voulait visiter autre chose. Donc on n'a pas pris des tickets, mais n'empêche qu'elle avait l'air très très charmante aussi. Le street food italien, ça donne toujours envie! Ici, c'est le musée historique de la ville de Lecce. Regardez-moi ces vieux bâtiments, je trouve ça juste magnifique. Toutes les rues étaient belles, je savais plus vers où aller finalement.
La ville de Lecce et toute la région des Pouilles sont connues pour leur savoir-faire en termes de fabrication de textiles. Je sais toujours pas ce que c'est cet endroit, mais je l'ai juste trouvé magnifique et donc on a fait un petit tour dedans. Ici, on arrive à la Plaza del Domo, c'est la place principale de la ville et là, on trouve plusieurs monuments très connus, caractéristiques de la ville. C'est vraiment joli, je trouve. Ici, apparemment, on a une vue totale sur toute la ville de Lecce. Là, on voit clairement le mélange des styles architecturaux des différentes époques. C'est magnifique. Regardez-moi cette vieille porte, je la trouve impressionnante parce que je suis en train d'imaginer tous les gens qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont probablement passés par cette porte-là. C'est impressionnant. Donc on quitte la Plaza del Duomo pour aller voir le reste de la ville et puis visiter d'autres villes aussi par la suite. Un petit dernier regard, un petit coup d'œil avant de partir. C'est juste magnifique. Je vous laisse avec une petite balade dans les rues de la vieille ville de Lecce. On se retrouve tout à l'heure! Oh,
Là encore, ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas. J'ai trouvé ça beau, donc on est allé faire un petit tour rapido. Retour à l'église San Matteo et donc bientôt la sortie de la vieille ville et la fin de notre balade. On arrive à la sortie de la ville et donc la fin de la balade dans la vieille ville. Moi je l'ai trouvée charmante, je sais pas pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la ville de Lecce dans les commentaires. D'autres vidéos pour des balades des villes dans la région des Pouilles arrivent prochainement. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et laissez des commentaires sympas, ça fait toujours plaisir. Bisous!